Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo All Try On spéciale solde été 2024. Alors c'est parti! Alors avant de commencer la vidéo, eh ben, un grand merci à tous mes nouveaux abonnés. Je crois que la dernière vidéo sur les ventes exceptionnelles de chez Hermès vous ont énormément plu. J'ai eu énormément de nouveaux abonnés, beaucoup de vues, donc un grand merci. Et pour les personnes qui ne l'ont pas vue, je vous remets la vidéo en barre d'infos. Donc voici mes petites trouvailles pour les soldes, alors ces soldes, ventes privées été 2024. C'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps de faire les soldes, parce que le premier jour des soldes, j'étais aux ventes exceptionnelles de chez Hermès. Et puis bah ce week-end, voilà, il y avait les kermesses des enfants, voilà. Donc j'ai pas eu trop le temps dans les magasins, mais j'ai quand même réussi à trouver des petites pépites, voilà, qui sont ici. Alors justement, en mettant les vêtements que je venais d'acheter, je me suis dit, il n'y a pas de rose. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de rose. Non, pour une fois, il n'y a pas de rose. Donc, premier article que je vous présente, c'est de chez Monoprix. Alors, c'est vrai que Monoprix, avant, pour moi, Monoprix, où j'habitais, j'avais un Monop, mais c'était que de l'alimentaire. Et c'est vrai que là, en fait, juste à côté de Deauville, à Trouville, vous avez un grand Monoprix. Et à l'étage, ce sont des vêtements. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment de très belles choses. Je suis vraiment surprise. J'aime de plus en plus Monoprix pour les vêtements. Et j'ai trouvé cette magnifique robe longue. Donc, plutôt serrée en haut et large en bas. Et elle amincit énormément. Elle affite vraiment au niveau donc de la taille. J'aime beaucoup avec un beau petit décolleté. Vous avez une fermeture qui est ici. Elle est vraiment très jolie. Alors malheureusement, il y avait plus de 38, donc parce que moi chez Monoprix, je fais du 38 parce que je fais du 38. Donc là, il restait du 40, 42, il y avait du 36. Donc j'avais essayé quand même la 40, elle était trop grande, donc j'ai pris la 36 et ça a été. Parce qu'il y a des moments où 36, non, ça va pas, mais là, impeccable. Tout à je vous mettrai des photos portées, mais elle est vraiment magnifique. Donc c'est, elle est noire avec des comme des petites, on dirait des petites feuilles avec des petits points. Non, vraiment, elle est belle. Ici, voilà, elle est travaillée également derrière, elle est resserrée. Donc c'est vrai qu'elle fait vraiment une belle taille. Quand je la mets, on me dit que ça m'amassit. Donc au contraire, c'est bien, c'est bien, c'est très bien. Au niveau de la composition. Si je vois, je vous le dis, c'est que général chez Monoprix, c'est une bonne composition. J'ai pas regardé, c'est vrai que là, hop, c'est ici l'étiquette. Est-ce qu'ils nous disent normalement c'est obligatoire? Ah, je l'ai coupé. Ah oui, alors là, je l'ai plus. J'ai quelques. Non, j'ai coupé parce qu'en fait, vous aviez un anti-vol. Parce que justement, j'ai sonné. Et en fait, ils mettent des antivols, des étiquettes. Mais voilà, donc taille 36, Monoprix. Elle est sur le site. Alors, celle-ci, je l'ai eue juste aux ventes privées, je crois. Où il y a eu un moment, ils ont fait moins 30 sur toutes les robes. Et là, je crois qu'elle n'est plus soldée. Hein. C'est vrai qu'il faut regarder régulièrement. Parce que là, par contre, pour les soldes Monoprix, j'ai pas trouvé grand-chose. Non, ben non, j'avais trouvé que cette robe-là, donc à moins 30. Je crois qu'elle était à, de mémoire, 59 euros. C'est ça. En général, les robes chez Monop, les longues comme ça, il y en a 59, 69. J'en avais, c'est une très jolie noire aussi, en broderie anglaise. Et je crois qu'elle est à 79. C'est vrai qu'ils augmentent un petit peu leur prix. Alors, je ne l'avais pas pris. Faut que j'aille voir, tiens, si elle n'est pas soldée, sinon je crois que j'irai la prendre, sauf qu'elle avait un grand décolleté, mais j'aurais pu faire un petit point pour rattraper, mais vraiment, elle est magnifique, c'est vraiment un grand coup de cœur. Alors, c'est vrai qu'avant, quand j'habitais sur le Val d'Europe pendant plusieurs années, hein, je vous ai déjà raconté, voilà, c'est vrai qu'on est tenté, vous avez bah, déjà la Vallée Village, vous avez Zara, vous avez Mango, vous avez H&M, qu'est-ce qu'il y a encore, Primark. Et c'est vrai que là, depuis que je suis en Normandie, alors on a ces boutiques-là aussi, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que autour de moi, il y a plusieurs petites villes, des villages, et il y a beaucoup d'indépendants. Alors ça, j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup aller chez les indépendants. Donc, c'est vrai que le reste, en fait, j'ai eu que chez des indépendants. Quand ces indépendants ont un site internet, je vous le mettrai en barre d'infos, je vous dirai où, un Instagram si vous voulez retrouver les articles, et je vous donnerai les marques. Peut-être que vous pouvez retrouver aussi sur internet d'autres boutiques qui font ces marques-là. Et donc là, je l'ai eu dans une petite boutique qui s'appelle Madame Citadine. Elle est vraiment très très jolie. C'est un peu en gaze de coton. Elle est jaune, j'avais pas de robe jaune comme ça. J'ai trouvé très jolie au niveau, en fait, ici du décolleté, ça fait des petites coquilles. Elle est très jolie, voilà, ici un petit peu de petits froufrous. Et voilà, elle n'est pas très longue, mais je me suis dit justement pour les vacances, impeccable. Avec mes petites sandales Santorini, ça va être impeccable pour partir en vacances. Elle est vraiment très, très, très jolie. Alors, c'est la marque Season. Créé avec amour. Et donc, j'ai pris ma taille habituelle, taille M, qui correspond au 38. Voilà. Donc, elle était au niveau donc, du prix à 35,90 €. Voici. Et donc, elle était à moins 30. Donc, je crois que je l'ai payé 25 €. Voilà, c'est ça. Donc, très jolie. Elle rend vraiment bien. Et au niveau de la taille, c'est impeccable. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut régler au niveau des bretelles. Donc ça, c'est plutôt pas mal et c'est pas en plastique. Donc, très jolie. Ouais, elle est vraiment belle. Et ça, j'avais pas. C'est vrai que ça, je me suis dit, avec mes petites Santorini blanches, ça va être impeccable. Donc, autre article aussi que j'ai eu chez un autre indépendant. Donc là, par contre, non, il n'y a pas de site. Ils n'ont pas Instagram, ils n'ont rien du tout. Donc, c'est dommage. Par contre, je vous donnerai la marque. C'est Majolica. Majolica, donc je pense qu'on peut retrouver sur internet. J'avais envie de me reprendre un petit t-shirt basique blanc en coton pour pouvoir mettre avec un jean, une jupe, plein de choses. Voilà, ça, mais j'ai trouvé très joli. C'est qu'au niveau des manches, vous avez de la broderie anglaise. Ça, j'aime beaucoup la broderie anglaise. Donc voilà, petit t-shirt tout ça, très mignon, col en V. Je sais qu'il n'y avait plus de S, donc j'ai pris M, qui est normalement ma taille, donc il est un petit peu plus ample, mais pas mal. Et par contre, je ne l'ai pas eu soldé, il était à 29 €. Petit t-shirt, très mignon, voilà, ça c'est ce qu'on appelle un petit peu voilà, les basiques, mais avec un petit côté quand même féminin. Alors, ensuite, autre article. Alors, ça, c'est vraiment un gros, gros coup de cœur. Donc, ça, c'est une jupe longue, comment on dit, satinée, beige, blanc cassé. Elle est magnifique. Alors là, je l'ai déjà portée plein de fois. Oh, je la trouve magnifique. Je l'ai eue dans une toute petite boutique qui s'appelle, je crois, c'est les greniers des filles, voilà, le grenier des filles, c'est ça. De toute manière, je les suis sur Instagram, ils ont leur Instagram, c'est pareil. Je vous mettrai en barre d'infos parce que là, il y a vraiment des pépites. C'est dans un tout petit village en Normandie. Vous dites pas, un beau petit magasin. Elles vendent également des accessoires. Ils vendent aussi de la déco. Voilà, il y a plein de choses. Et j'étais tombée sur cette magnifique jupe. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'elle fait très habillée, si on veut. Je l'avais mis à une communion. Si je vous mettrai une petite photo. Et en même temps, je l'ai déjà remise plusieurs fois avec des baskets. Voilà, son côté décalé, vous pouvez mettre avec des talons. J'avais mis avec un haut en dentelle et comme vous pouvez mettre avec par exemple le petit haut blanc ou un petit t-shirt noir et des baskets, c'est magnifique, vraiment elle est super belle. Alors la marque c'est Sens Unique, je vous le mets ici. Par contre il n'y a pas de taille, c'était taille unique, donc voilà, taille unique en général ça va du 36 au 40, donc vraiment gros coup. Alors, autre article que j'aime beaucoup aussi, que j'ai acheté justement aux ventes privées, donc encore dans un autre magasin indépendant. Donc eux, pareil, n'ont malheureusement pas d'Instagram ni de site internet, mais je vous donnerai la marque. C'est un petit perfecto, voilà, un petit perfecto tout doux, blanc. Alors, il l'avait en différentes couleurs, moi, je l'avais pris blanc. Vraiment très joli, donc c'est Woman Collection HF. Et justement, je regardais la compo. Bon, c'est pas polyester, élastane.
C'est vrai que là, par contre, je viens de regarder Made in China. Ouais, dommage. Que la jupe que je vous ai montrée avant, c'est Made in Italy quand même. Ah oui, et je ne vous avais pas donné le prix de la jupe. Je crois que j'avais payé 39 euros de mémoire. Donc là, c'était un petit perfecto. Et lui, de mémoire, je l'ai payé moins de 50 euros. Je crois que j'ai dû payer dans les 45 euros. Bon, c'est vrai ce que j'aime bien, c'est qu'il resserre un peu au niveau donc de la taille. Voilà, voilà, j'aime beaucoup. Puis le côté tout doux, tout doux, tout doux. Et c'est vrai la vendeuse m'a dit, voilà, vous pouvez le mettre en machine, ça craint rien. Donc même si c'est blanc, parce que c'est vrai que le blanc, bah, ça salit très vite. Donc s'il faut tout le temps l'emmener au pressing, c'est dommage. Que là, elle m'a dit, pas de souci, vous mettez en machine. Donc voilà, que je teste, je n'ai pas encore testé. Mais c'est vrai que voilà, il est vraiment sympa. Voilà, il est bien serré et je trouve qu'il met bien la taille en avant. Donc, autre article que j'ai également eu dans cette boutique. Donc, cette boutique, elle s'appelle, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, Jean Fizz. Et elle se trouve à Pont-l'Évêque, donc en Normandie. Donc, ça, c'est un article que j'ai eu soldé. Donc, c'est une longue robe maxi dress bleu marine. Elle est vraiment très jolie. Et sa particularité, c'est qu'elle a un très beau décolleté dans le dos. En fait, vous avez des bretelles spaghetti. Et derrière, je ne sais pas si on va bien voir, voilà, avec la lumière. Elle est vraiment très, très, très jolie. Elle est ample. Voilà, je me suis tout de suite dit, pareil, avec mes petites Santorini cet été, ça sera impeccable. Le marine et blanc, bah, je trouve ça super, super élégant. Elle est fendue là. Et fendue des deux côtés. Donc, comme ça, pour marcher, impeccable. Je n'ai pas vu de marque, par contre. Par contre, j'ai vu que c'était Made in Italy. Donc, ça, c'est plutôt bien. Mais voilà, il n'y avait pas de marque. Quand j'ai regardé, j'ai dit, tiens, c'est bizarre, ils n'ont pas mis de marque dessus. Il n'y a rien, il n'y a pas d'étiquette à part le nom de la boutique. Pas mal, je ne retrouve plus l'étiquette. C'est toujours comme ça. Ah, voilà. Alors, l'étiquette, il y a marqué Made in Italy, 95% de viscose et il y a de l'éla 5% d'élastane. Mais il n'y a pas de marque. Bon, dommage. Et voilà. Mais ça, on en retrouve un peu partout. Hein. Même à Monoprix, j'en ai vu. Voilà, on en voit quand même dans pas mal de boutiques. Ces longues robes droites, larges. Voilà, je trouve que ça fait vraiment vacances. On est bien dedans quand il fait chaud. Je crois que ça va être top pour les vacances. Donc, toujours dans la même boutique, hein, Jean Fizz. Alors, il venait juste de le recevoir. Donc, ce n'était pas soldé. Mais j'ai vraiment eu un coup de cœur. C'est une robe, en fait, le haut est en crochet. Si vous allez voir. Et le bas, ça fait comme bah, la broderie anglaise, donc noire. Donc, une robe courte. Par contre, là, au niveau des bretelles, on ne peut pas régler. C'était une taille unique. Oui, c'est ça, taille unique. Mais c'est vrai que je l'ai essayé. Et voilà, tout de suite, j'ai adoré. J'ai trouvé très jolie, pas trop courte, pas trop longue. Et au niveau donc du tarif, on est à 29,99 €. Ça, je me suis dit avec mes petites oasis que j'avais eues l'année dernière, ça va être très 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 joli, ça va être très sympa. Voilà, si on sort hein, le soir, ou même avec une petite paire de baskets, ça peut être très sympa aussi, ou une paire bah, de chaussures plates. Voilà, il y a plusieurs façons de la porter. Je la trouve vraiment. Très jolie, très très féminine, voilà, qui met bien en avant. Et puis pas trop longue, pas trop courte, donc parfait. En tout cas, j'espère que cette vidéo haul try on spéciale solde 2024, été 2024 vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quelle est la tenue, la pièce que vous avez préférée. N'hésitez pas aussi à me dire vous qu'est-ce que vous avez trouvé. Comme solde intéressante, voilà, c'est toujours bien de partager. C'est vrai que j'aime bien quand vous m'écrivez, ce que je vous réponds toujours. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram également si vous voulez que je vous donne le nom des boutiques où je suis allée ou les adresses. Voilà, c'est vrai que sur Insta, c'est peut-être plus facile de communiquer. Mais je vous le remets ici, c'est le même nom que la chaîne, c'est Marie-Cat. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!